never seen I'm going to book some tickets. On te balance, lui demande si elle a déjà fait l'amour sur un chou. Mais quel est le putain de rapport? N'en répondez pas, mais. Attendez, on va pas lui demander si elle a déjà fait l'amour sur un cheval. Quel est le putain de rapport avec ce qu'on vient de parler? Mais non, mais arrêtez vos conneries. Oula! Ça y est, il y a Mahmoud! Mahmoud qui m'a envoyé un SMS, ça y est, il est là. Ça va, Mahmoud? Mahmoud, évidemment, il ouais, roule en Mercedes, hein. On pourrait jouer toute la nuit à cette connerie. Musique exotique entraînante. Il a vraiment un garde du corps qui lui enlève ses lunettes. Non mais plus cliché, tu meurs. Mais c'est Mahmoud en plus. C'est vraiment Mahmoud. Attends, vieille photo de Mahmoud, photo récente et ressemblante, photo d'un mannequin, photo de Richard. Non, on prend un mannequin arabe, mais c'est vraiment Mahmoud en plus. Oh merde, je savais pas que c'était lui en plus. J'ai dit ça random. Eh, réponse C, les gars. Je vous trust, hein. On prend un mannequin arabe, hein, let's go. En même temps, on s'appelle Mahmoud, c'est bon. Oh merde. Bon, Mahmoud. Retournons voir Mahmoud. Quel lieu choisis-tu? Bar clandestin pour... Mais c'est... Génération Y. On n'est pas dans la génération Z. Prendre un verre dans un bar à la mode, restaurant chic. Okay. You know me. What she look like? Wow. Pas touche à mes Lego, toi. Blonde. Le sang de là. Beautiful boobies. Big boobs? Big boobs. Right. Big boobs. What's the game plan? C'est une américaine, évidemment, elle a de faux seins. But don't send me the pictures like you did last time. Wow! The horses? With all of that and okay, you know what I mean. Okay, keep that to yourself. Good okay, luck, mate. See ya. Salam alaikum. Bye. Bye. Ouais, salam alaikum, hein. Yalla! Yalla, yalla! Ouais, et ça roule en mer. Par contre, ça, c'est pas une légende, hein. Les Arabes du Golfe, généralement, c'est toujours en Mercedes, hein. C'est vrai, en plus, hein. Ils ont des putains de Mercedes. C'est un peu cliché, mais c'est tellement vrai. Yalla. I'm not, you're being a trickster. Trickster? I'm Mahmoud, you know who Mahmoud is? No, this is weird, and this is, must be a joke. No, it's not a joke. You're being deluded. Ils sont énormes, ce qu'on prodige jeu, quand même. Putain de merde, il y a tous les clichés possibles. Fox, no. No, this is ridiculous. I don't think so. You're being ridiculous. You wasted my time. I'm leaving. Oh, this is so embarrassing. Merci, Avemet. One foot outside this restaurant. Fantastique. Hey, come here. Hey, fuck off. Wait up. Come here. Hey. Il joue trop bien. You know who I am? I am Mahmoud. Ooh, not very flattering. Bit rude. Very rude. C'est le boss, quand même. You shouldn't discuss a woman's age, right? No, never. 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 Mm-hmm. Ouais, pour une fois, un bon acteur. Je suis d'accord que lui joue bien, oh, putain. Mm-hmm. I'm curious now. Merci, Red Fox. Bon, qu'est-ce qu'on fait? Je sais pas quelle est la bonne réponse, je vous avoue. L'assistante, ça peut faire en mode mec riche. Donc on peut la tirer comme ça. Mais par contre, nier, c'est pas mal. Lui dire qu'elle est superficielle, ça marchera pas. Ça va la piquer au vif, elle va se barrer. It was a genuine mistake by my PA. What? She is not going to come in between me and you, okay? She is what? Fired. Oh no, that's calm it. Down, down, history, halas. No. No one needs to be Benito. Fired. In so fact, that's ridiculous. I'm going to be Heather. No, okay? Oh whoa! No, ridiculous. Whoa! Okay, I'll okay. Stay. I'll excuse-moi, chérie, mais c'était raciste. Thank you so much. Whoa! I appreciate this. But only for 5 minutes. Please. Il vient de lâcher. Je vais la virer, je vais la décapiter. Wow! Wow! Je vais pas me faire ban de Twitch pour ces conneries parce que ce jeu est quand même un peu limite là. Là on était un peu. C'est honteux! C'est honteux! Dans les clichés, là on est. Attendez, c'est la bonne réponse ou c'était de ma gueule? Sure. Y'a pas de limite quand même. Il verse pas le tea à l'arabe là, tu sais, où on le fait lever et tout. I think we should get some shisha. They do lovely strawberry and daffodil. Mm. Yalla! Oh. Pronto! Merci, yes, tordu. My child.
Attendez, il vient de lâcher. Attendez, je suis obligé de mettre en pause. Il vient de lâcher quand même un yalla et ensuite il fait pronto. C'est quoi ce putain de bordel? Je connais. Hey, les arabes italiens, je connaissais pas. Hein. Vous m'excusez, mais je connaissais pas le yalla pronto. C'est quoi ce putain de bordel? Pronto! Yes, sir. Mais what the fuck? C'est quoi ce bordel? Faire beaucoup pour qu'elle se sente bien. Qu'elle ressemble à ta fille. Waouh, la complimenter en lui disant qu'elle ressemble à ta fille. Et mais plus on s'enfonce dans le jeu, plus c'est l'enfer. Hein. Lui demander si elle est encore vierge. Non mais c'est bon, je m'en vais là. Non mais putain. Mais je vais me faire bannir. Mais merde. Ah oh, merde. I'm answering that question. That's a straightforward question. It's none of your business. You have to answer the question. I am not going to answer that question. If you want to be whore number 13, you have to answer now. You're fucking disgusting. I'm you gone. Fucking stupid whore. Bon, hey, jamais ça ira sur YouTube, ça, les gars. Sachez-le, jamais ça ira sur YouTube. You silly bitch. En vrai, ça passe hein, si vous mettez un titre correct. Hein, parce que la dernière fois, j'ai mis titre coronavirus, je me suis fait enculer, mais bon. Hey, what are you doing? I'm leaving. Oh, stupid fucking bitch. Et Marmoun, il est on fire, hein, j'avoue que... En vrai, c'est le premier acteur qui joue super bien, je trouve. Hein. L'Asiatique jouait bien aussi, il était rigolo. So, Mahmoud, what do you do for a living? Il te faut un... You know who I am? I am Marmoud sur le stream deck. Ouais, j'avoue, faudrait que je l'isole. Hein. J'adore ce que je fais, j'essaie de faire bouger les choses. Dire que tu as une entreprise familiale, les fermetures à glissière... Je suis pas venu ici pour parler affaire avec une femme. Lui dire de pas s'en faire pour l'argent, que tu t'occuperas d'elle. Putain, les réponses C et D sont tellement racistes. Oh merde. Oh putain. Comment ce jeu a pu partir sur Steam? You don't have to worry about money or anything. Even my worst whore has a diamond card here. Wow! Wow! Biggest lottery win. Oh my god, she's so lucky. How do I become one? Non mais stop! That is a stop! You know, you have to, you know, enter a competition. Oh, a competition for the best harem? C'est honteux! Yes! Yeah, I don't think so. Why not? Oh merde! Putain. Bad. No. You won't get a better opportunity in your life to be wealthy. Any opportunity is a better opportunity than you. Ouais, quand I'm même, ça lâche des trucs. Wow. King Hell? You're walking out? Bon, et rassurons tout le monde, on est dans une comédie. Hein. Ne faites jamais ça dans la vie réelle. Les mecs. Hein? Je préfère prévenir, ne faites jamais ça dans la vie réelle, parce que c'est vraiment scandaleux, on est d'accord. Putain, je vais encore avoir un carton rouge de Siphano qui va me dire que mon contenu, je suis maintenant dissipé avec ce genre de conneries. Merde. Votez pour quelque chose, moi je regarde plus les choix, hein. Je vous fais confiance. I didn't come here to discuss business with a woman. Excuse me? I mean, it's easier to teach a camel algebra. Oh, it's easier to teach a camel algebra than it is to teach you manners, and I'd rather be with them. Mahmoud, me, business guru, Richard Branson, the stupid virgin, called me for business tips. I'm leaving. You're leaving? I'm gonna ride my How camel. How dare you? Well, fuck off then. Vous ne prenez pas les bons choix, les gars. Did you agree with Mahmoud on this one, Charlotte? No, I don't, and I'm not surprised in the slightest why this didn't work. Could we talk about business? Of course. Réponse A, les gars, réponse A. Là. Non, mais réponse A, évidemment. Ça coule de source. Well, I'm passionate about what I do, and I really like to make a difference. Me too. I think it's really important. I mean, at least we have something in common. Putain, il a les yeux yeah, tellement nice. Vides. Quel enfer. It's perfect. No. Yeah, I like to help out in the community when I can. Well, it's wonderful. Hey, salut, c'est moi, Marmoud. Je vais vous faire un contrôle rectal. Remove the beautiful dress. Prepare for your examination. Your chair is waiting.
Oh, merde. So, Mahmoud, what do you like to do in your spare time? No, this is not about Mahmoud. It's about you. What do you like to do? Me? I like to read, I like to write, I like to dance. Dance? What type of dancing? Mostly ballet. Ballet? Yeah. Russian ballet? I've never seen Russian ballet. I'm going to book us some tickets. Maybe. Ah, quand elle glousse, c'est toujours bon signe. Hein. On te balance, lui demande si elle a déjà fait l'amour sur un chou. Mais quel est le putain de rapport? N'en répondez pas, mais... Attendez, on va pas lui demander si elle a déjà fait l'amour sur un cheval. Quel est le putain de rapport avec ce qu'on vient de parler? Mais non, mais arrêtez vos conneries. Non, mais non. Mais c'est quoi le putain de rapport? On vient de parler de ballet russe. Et d'un coup... Ouais, mais est-ce que t'as déjà baisé sur un cheval? Hein? Forget all this reading and writing bullshit. You like horses? Sure. Have you ever had sex on a horse? What? Or with a horse? Or whoa! What's this? Hey, Mahmoud, tu vas un peu trop loin. Hey, Mahmoud, stop là. Emma! C'est honteux! Hey, Mahmoud, tu dépasses un peu les limites. Sorry, I had a friend from Syria. And he was telling me how, yeah, he was telling me how cool it was to have sex on a horse. Right. And he invited how fascinating. Me to Syria because he's got stables. Uh-huh. He wasn't gay, but it was strange. Quel rapport avec être gay? I mean, with him, the sex on the horse. I gathered that one. Maybe because when it moves, it kind of wobbles and it's. I don't know. C'est là qu'il me faut vraiment le truc cringe moment, hein. Putain. Quel enfer. Quel putain d'enfer. Bon. Bon, bon, bon. On part sur quoi, là? De toute façon, il n'y a pas d'autre choix. So you like to read, which means you're intelligent. Quel rapport? You like to write, which means you're curious. And you like ballet. Elle a l'air chiante, quand même, hein. That's the right answer. Making assumptions is a nice. Vous avez le droit de spammer les points d'interrogation, on est d'accord, hein, tous ensemble. And it's cool because when you try to make Jean-Michel détective du Qatar. And you're if you get it right it's impressive. If you don't it at least shows you're making an attempt to connect and to listen. Justement on parlait de baiser un cheval, hein. Remettons les choses au clair. I only dine in the finest places. On fume la chicha au resto peut-être. Ça ressemble plus à un bar pour le coup. So your daughter is beautiful, sir. Wow! What? Ok, si ça vous arrive un jour, vous allez répondre ah, rassurez-moi. I have a great idea. He's a good-looking boy. The threesome. Me at the front, him at the back. That will be the best orgy ever. I'm sorry, I just got sick. No, I have a better idea. You two guys can fuck each other, and I'm leaving. It was just a suggestion. You don't have to walk off. You want to join me? Never do that. Threesome or waiters or anything, yeah? C'était intense. Vile. Vile. Ouais, je pense qu'on peut dire à l'aide là. Bon, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on ignore totalement ce qu'il vient de dire? On lui demande ses projets d'avenir pour sa carrière ou on appelle son agent de sécurité pour le décapiter, le mec là? Il vient quand même de nous lâcher que notre date c'était notre fille. Donc bon. Pourtant, il a pas l'air si vieux que ça, Mahmoud. Il est un peu enrobé, mais il est pas si vieux que ça. You want to date her? You're not in a very good job. What career options do you have? Don't worry yourself. Have a little think. Come back when you're ready. Okay? Rect.
Yep, take control of the situation, I suppose. Bon, il est dégueulasse, hein, on est d'accord, mais j'aime bien son style. So, tell me, Mahmoud, how old are you? De bon, de la somme des... Mais putain, mais c'est putain de raciste. Mais la première réponse, waouh. Ah oui. In my family, you're only as old. Écoutez, ce jeu est classifié dans Twitch. On peut le sélectionner. Donc normalement, ça ne peut pas entraîner de ban. Enfin, j'espère, parce que sinon je suis dans la merde. Mais no, they are young. No, children are such. Disgusting. That's pedophilic. You're a pedophile. I'm not a pedophile. I gotta go. I've just got a lot of love to give everybody. I'm calling Interpol. Hey, calling who? Calling the cops. Bye. Hey, no, no need to call them. Attendez. Qu'est-ce que Interpol peut faire dans le golf? Interpol, c'est en Europe. Quel rapport avec le putain de golf? Bon. Allô, Interpol? Je suis dans les Émirats Arabes Unis. J'ai un problème. Oui, madame, ce n'est pas l'Europe. Rappelez-nous quand vous avez un problème en Suisse. Elle est trop jeune pour toi et demander si elle est mature. 50 ans, mais je suis jeune à l'intérieur. Je pense que c'est la réponse B, l'idéal. Il a vraiment 50 ans? You think you are too young for me? You know, show me how mature you are. I think I'm pretty mature. I've gotten a master's in psychology. I volunteered in Africa with the Red Cross and... I think that's pretty mature. That is mature. I'm very impressed. Mahmoud, t'as l'air bourré. Il faudrait que tu le passes la chicha au bout d'un moment. Interpol, c'est mondial? Putain, je confonds avec Europol. My bad. Je confonds avec Europol, alors. Bien joué, petit détective. Oh putain, les yeux de Mahmoud. Il fait peur. Mais j'aime bien Mahmoud. Hein? C'est quoi la bonne réponse? Alors, là, je vous avoue que je suis confus. Je ne saurais quoi répondre. J'aurais peut-être fait ça, oui. Non, mais pas comme ça! Pas comme ça, putain! Pas comme ça! Pas comme ça, Mahmoud! Pas comme ça! Non! Pas comme ça, Mahmoud! Tu peux pas nous faire ça! Non! Oui, ça pourrait être creepy, c'est creepy. Il est bizarre, Mahmoud, quand même. Hein. So this is not a bad one, again. Prends ton téléphone et jeter dans son verre. Ah oui, c'est Robert Mugabe, hein. C'est ce qu'il a écrit. Hein. Eh, c'est Mugabe qui nous appelle, hein. Réponse D. Hein. C'est bien, les mecs. Bon choix. What are you doing with my phone? Shh. What? No. Oh, no. Callas. Two. No. What the? Someone do something! He just put my phone in water! What the fuck? Et Mahmoud s'en va. On lui dit gentiment. Réponse A, les gars. On lui dit gentiment. Vous voulez avoir un appel de Robert Mugabe? Pourquoi pas? C'est mon pote, hein, mon pote le dictateur, hein, comme on dit. Hello? Ah, Robert! How are you, Mr. President? Oh, it's a pleasure to speak to you. Yeah, you will be coming to Jenny's christening? Oh, that will be wonderful. Can't wait to see you. Yeah? Definitely. Pleasure. Okay, bye-bye, Robert. Who is that? It's Robert, my friend. Robert Mugabe. Your friend is Robert Mugabe? Oh my god. Wow. That's not a lot of people. Bonne réponse, bien joué les gars. Michto, 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 Michto. J'avoue que là, l'application pour ado, tu dois être mature. Oui, j'ai un compte, mon enfant est in pussy lover. Oui, j'utilise, tu dois te grouper avec mes trois femmes. Oh, faites votre choix. Moi, vous savez, je subis ce que les viewers me disent là, depuis déjà quelques heures. Je vous fais confiance. It's happy chat. It's fun. Yeah, happy chat. My username is Team Pussy Lover Forever. Add me as a friend. No,
No, I don't think no, so. No, Emmy, I've got so many pictures to show you. I don't want to see you them. You will love them. Nope. Hey, Emma, what are you doing? Hey, teen pussy lover forever. Ew. How can she not love teen pussy? Et Mahmoud, il est bon. L'acteur, en vrai, est vraiment bon. Bon, réponse D. Pourquoi pas? Bichan is so fun. You can join the group of my three wives. Wait, you're married? Well, join the other group of the three whores. Whoa! Perfect. No, that's it. Whoa! You can't talk to me like that, and you're a pig. You're a fucking creep. Emma, I'm so sick of this. Emma, come here. Come here, baby. One normal day. That felt so good. C'est honteux. Come here, baby. C'est honteux. C'est honteux. Nice one, that's the right option. It's a bit of a challenge. And in this position, you had the, you know, if you chose on sent qu'elle est un peu vénale quand même, on va pas se mentir. Young, which is never a good mood for, you know, a good move for an older guy. Elle veut du chibre. Ok. You know, ok, on en est là. Merci. Attendez, c'est qui? Merci Yo Anal qui dit elle veut du chibre. Merci pour ta réflexion, Yo Anal. Apparemment, elle veut du chibre. Vénal est un peu un euphémisme, oui, c'est vrai. She's left the country and I can't get a hold of her. I don't really think she's going to be helping out with any of our bills, so. Mais tu t'intéresses qu'à l'argent de Mahmoud, au mieux ça montre à toi, mais je peux te faire confiance, tu n'auras pas de problème. La réponse C, vous êtes obligé de la réponse C. Mais plus les chapitres avancent, plus c'est n'importe quoi. Non mais, lui donner une liasse de billets, lui demander combien de centimètres du Big Mac elle veut. Mais à l'aide. For you, my darling. One step. Are you joking? My mistake. Two steps. Non mais Mahmoud, respecte-toi, yeah. Merde. I have over 25 Bitcoin in my account right now, and even if they go to zero and all my investments are gone, I'd still rather be living in the street than live as your whore. Bitcoin, shitcoin. This is what it's all about. Pourquoi? You are ruined. Fuck off. Non mais attendez. Emma. Attendez. Come here. Attendez. 25 bitcoins, ça vaut combien? Non mais attendez, si elle a 25 bitcoins, ça vaut quand même 240 000 euros à l'heure actuelle. Il a combien le cours du bitcoin d'ailleurs? La dernière farcie, je répète. Attention, je répète la dernière farcie, Parler d'un examen de la prostate en entrant dans les détails, c'est le bon moment je pense, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que c'est le moment d'évoquer cet examen de la prostate. Franchement, est-ce qu'il va y avoir un meilleur moment pour ça? La prostate ou jamais, hein. Peut-être qu'elle voudra s'y intéresser et titiller un petit peu ce coin. Emma, did I tell you about my prostate examination check? No. Oh là là. The doctor called me. I was in, bent over. Stuck his glove on, a little bit of lube, then finger by finger all c'est honteux. In his fist. I'm gonna go to the toilet. I was in heaven. C'est honteux. An experience. C'est honteux. Mahmoud, il envoie du rêve quand même. 25 minutes plus tard, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont mangé le dessert? Pour l'instant, à part fumer de la chicha et boire un thé, je sais pas ce qu'ils ont fait. Hein. Heureusement que ça reste au chic. No, to be honest, Mahmoud, I was a little skeptical. N'empêche qu'il a pas fait tourner la chicha, c'est pas gentil ça, Mahmoud. Hein. But tu l'as fumé pour toi tout seul. Something about you that was really sweet, and I'm really glad I gave you a second chance because otherwise we wouldn't have had this nice evening. Et 15 minutes plus tard, et Mahmoud a toujours pas passé la chicha. Il s'en bat les couilles. Ça fait une heure qu'il a entre les mains. Là, t'es là en mode. Est-ce que j'aurai la chicha? Non,
Non, non, please, répondez B, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Non, mais non, mais non. Mais non, mais c'est... Mais... C'est honteux. C'est honteux. Mais c'est scandaleux. C'est scandaleux, ce choix. C'est non. C'est non. Mais non. 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 Mais non. Putain de merde. Where you get to cook, you learn how to clean, and you get all the practice in the world for when you do meet someone you like. You have everything. High five! C'est un raciste. I take that as a no then. C'est non, c'est non, c'est non. Étrange, vous avez choisi la mauvaise décision. Tiens donc. Ah bon ? Donc on a le choix entre l'inviter à devenir une des putes bénévoles ou l'inviter à une soirée caritative. À votre avis, quel est le bon choix ? Étrangement. Tiens donc. Emma, I am so sorry, my darling. I have a very important business meeting. Il a toujours pas fait tourner la chicha, hein. Je tiens à remarquer. Hein. Ok, c'est bah, tout ce rendez-vous pour rien. Et là, il a demandé à Max de la surveiller. Attendez, elle va pas s'asseoir là en mode. This one looks more friendly. Jean Casanova. Again, catfishing. Bon,